Pour vous, il y a épage dans le marais. Et voie de communication. Si on remonte la zone de marais. Qu'est-ce que c'est l'homme pour l'aménagement là, tu vois sur la carte? Ça, on commence déjà par le territoire d'une manière générale et après on va zoomer tout au long de la semaine sur l'eau. On voulait faire le lien entre milieu naturel et agriculture. Donc le marais s'offrait à nous, à proximité du lycée, sur le territoire. Donc on s'est dit pourquoi pas nous faire travailler sur le marais. Regardez au niveau taille, il y en a qui font plus de 2 cm. Donc les indices de présence comptent aussi. Regardez là, alors la famille des odonates, c'est la famille des libellules. Et donc certains ont trouvé. Des larves de libellules. Alors il y en a voilà qui ont trouvé les larves des cousines des libellules. Là, il y en a partout. On se dit il y a de l'eau et puis c'est tout quoi. Mais voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est intéressant. Parfois, il faudrait que tout le monde fasse ça parce qu'on ne le sait pas. Non, c'est vraiment bien. On a vu des nouvelles espèces et tout qu'on ne connaissait pas forcément. Les batraciens, tout ça, on ne connaissait pas. Les marais du Cotentin, j'en avais aucune idée. J'avais jamais vu les marais. Je les ai vus une fois en plein hiver, c'était blanchi, c'est tout. Et... Il y a des petites sangsues, ça, je pensais pas qu'on est ici déjà. Voir déjà qu'on pouvait voir la qualité de l'eau rien qu'avec les insectes qu'il y avait dedans. Ouais, là, c'est pas mal de savoir ça. Je préfère être sur le terrain et toucher, avoir du concret dans les mains. Ça, on l'a vu quand ils ont observé la tourbe le premier jour. Hier avec l'indice biotique. Pour eux, rivière égale eau plus poisson et pas forcément des petits crustacés, des petits invertébrés. Donc là aussi, ça a été une surprise pour eux.